Salut tout le monde, c'est Blackheart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Arma 3 pour la troisième mission de la campagne Mensur. Je vais essayer de procéder dans l'ordre afin de tout bien résumer. La campagne Mensur est une campagne basée sur les tensions entre l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est lors de la guerre froide. Elle est préparée par 4 maîtres du jeu et est historiquement cohérente. Mais le développement scénaristique, quant à lui, est évidemment fictif. Lors de la première mission qui se déroulait le 7 septembre 1987, nous incarnions des gardes frontières de l'Allemagne de l'Est chargés de protéger un secteur du rideau de fer. Suite à un malentendu, une fusillade a éclaté entre notre unité et une unité de gardes frontières de l'Allemagne de l'Ouest, ce qui provoqua une grosse escalade de tensions entre les deux Allemagnes. La deuxième mission se déroulait le 9 septembre 1987. Vous ne verrez malheureusement pas cette mission car j'ai supprimé l'enregistrement par inadvertance. Mais je vais quand même vous résumer ce qui s'est passé. Enfin, je vais essayer. Pour faire simple, au petit matin, les troupes de l'Allemagne de l'Est, dont nous faisions partie en tant qu'une unité de la 8ème compagnie de fusils motorisés, traversent ce rideau de fer et se regroupent de l'autre côté de la frontière, attendant l'heure fatidique. À 8h, le gouvernement est-allemand fait savoir dans un communiqué à la presse et au monde que pour protéger le peuple allemand, la République démocratique allemande a déclaré la guerre à la République fédérale allemande. Nous combattons pour prendre le villes et villages et nous y arrivons, mais face à la résistance acharnée de l'Allemagne de l'Ouest, l'entièreté des divisions sur la ligne de front subissent de lourdes pertes. Ces événements nous mènent donc à la mission du jour, qui se déroule le 12 septembre 1987. C'est le troisième jour de la guerre entre les deux Allemagnes. Nous incarnons une unité d'ingénieurs de combat de l'Allemagne de l'Ouest, qui appartient à la 20ème compagnie d'ingénieurs mécanisés. Et notre objectif est de participer à la défense de la forêt de Lappwald. Vous ne le verrez pas, mais le début de notre mission consistait à placer des mines sur certaines routes afin de ralentir la progression des troupes de l'Est. La vidéo commence alors que nous nous rendons dans le nord-ouest de la forêt, afin de tenir une route car la ligne de front était percée, et il faut à tout prix éviter l'encerclement de nos unités dispersées dans la forêt. Je sais, cette introduction était relativement longue, mais vu qu'il manque une vidéo, je voulais mettre les points sur les i pour tout le monde. Bref, assez de blabla, c'est parti, passons aux choses sérieuses. Caradoc ? Ya ! Tu pourras me soigner ? Tout à fait. Okay. Passager. Comment ça? Je crois que j'ai besoin de petites sutures, des petites défaites. Si je t'aime bien. Bah ça tombe bien. C'est vrai. On voilà quoi. Ah. Ah. Je comprends. Ah. Y'a personne à l'arrière. Je suis en poste de la carte. Un peu de choses près. Ouais bien sûr on arrive. On vous suit à la trace avec les sapins que vous faites tomber sur la route. On n'a pas fait tomber de sapins. Si si, deux sapins. Ah je t'assure que non. Si si, moi je t'assure que si. Ah mais je t'assure qu'on n'a pas fait tomber de sapins. On en a pas touché donc... Oui c'est ça oui. Bah écoutez lieutenant, même je vous assure. Je vous ai vu. Non mais écoutez, vous avez rien vu. Et quand on a les deux pneus crevés, hein. C'est pas le mien, c'est celui d'une ancienne équipe de Harco. Il va servir à rien. Je dé. Moi, s'il vous plaît. Seulement la ligne. C'est ça qu'il faut qu'on protège. Oui. C'est ça qu'on a appelé une roue tout à l'heure. Oui. D'accord. Une position défensive ou... Kios. Oui. Avec Etrun, vous allez partir sur le monticule là-haut. Ouais. Et... Etrun, viens. J'arrive, mon amour. Quoi? Calme-toi, là. Ok. Oribou, Bal.
vous allez prendre le boom boom avec la MG et vous placer sur la hauteur là-haut pour couvrir. Juste là, ok. Ouais, pour couvrir le flanc. On couvre quoi, ouest-nord-ouest globalement. Je vais mettre un petit terrassement, je pense. Ouais, plus ou moins, ouais. Qu'il soit bien. Okay. Ouais, ouais. Ça marche. Oribo, tu te mets en. La carte. Oui. En gun armure. Ouais, pour me guider. Du coup, c'est à qui ça, vous, ce véhicule là, du coup ou... On l'a récupéré une ancienne équipe de Rocco qui a trépassé la nuit. D'accord. Non, je... Il y a un ATGM, donc voilà, j'ai pris au cas où, mais. C'est un philo guidé, hein. Bon courage pour tirer en forêt. Ouais, je sais. En tout cas, en plus, le fil est bien pris en compte, donc tu vas tourner dans un arbre. Le missile il va faire. Non, mais j'étais censé le ramener au QG, mais j'ai pas trop eu le temps, donc bon. Qu'on dit, hein. Ça fait ce qu'on dit maintenant. Non. Nul n'est censé se prévaloir de sa propre turpitude. Ah, ouais, je connais bien, ouais. Ça convient, boss. Carabino. Non. Tu pourras contacter le QG au fait, leur dire qu'on est en place, que les routes précédemment assignées sont minées, excepté la barrière de mine antipersonnel qu'on n'a pas su terminer. Voilà. Sanglier de Marcassin, pareil. T'as déjà une tête sur toi. C'est quoi ça? Elle est pas finie parce que j'arrête pas de fatiguer, du coup j'ai une nade à finir la sienne et puis après je finirai celle-là. Véhicule sur la route, véhicule sur la route, véhicule sur la route, véhicule sur la route. Fais gaffe, il y a un véhicule sur la route, j'ai pris la MG. Genre MG. Ah, infanterie en approche! Oribou, écarte-toi un peu. Yeah. J'avais pas demandé de tirer, si. Oh pardon. Bah ouais. Oui. Attends, je vais tirer à la TGM, je vais tirer à la TGM. Touché, détruit. Bien joué. Ça a servi la TGM. Ça a l'air d'aller. Ouais, je vais lancer le rechargement, mais je sais pas si on va se recharger. Ouais, je regarderai. Y'a plus de progression en train de se. Ça marche encore, mais je vais t'aider pour faire. Non, pas plus vite. On peut le faire plus de 3 longtemps, hein. Bah, apparemment, ça nous aide pas creuser, mais. Je pense que c'est pas posé, mais j'ai l'impression que ça a changé quelque chose. C'est l'animation, mais ça l'arrête. Ouais. Je vais voir un peu à droite sur les entrées. On file un coup de main. Vous avez. Kera ? Quoi ? Vous avez toujours un médecin, vous ? Ouais, il est près de notre véhicule, pourquoi ? Ok, non, c'est parce que j'avais vu que vous aviez un peu. Wow. Elle est où la tranchée? Non, c'est du foutage de gueule. Ah, mais elle est sous la roue, bordel. Hera? Ouais, faut que t'attends. Non, mais c'est progressif, hein. Normalement, elle va la voir. J'ai fini votre tranchée, chef. Va falloir se baisser un peu par contre. Tu l'as fini? Ouais.
faut se relayer. Je vais t'envoyer quelqu'un que tu vas construire. T'en as combien là? Ah, elles sont buggées les tranchées quoi. Ouais. J'ai dépensé la moitié. Bien buggées. Je pense que si vous cachez derrière la butte d'herbe, ça peut passer. Putain, c'est une machine. T'es abusé. J'y regarderai. Ouais. J'y regarderai. Ouais, oui. Va filer un coup de main à Blacko, que Nad. Va te poster avec les autres là-bas. Laisse tomber, Caradox, celle-là, tu ne pourras jamais la finir. On en a fini 3, elle dépasse même pas du sol, elle est sous la map. Ouais. Apparemment, il y a du monde, j'ai ma MG qui tire. Ouais, je vois ça. Ouais, j'ai eu personne passer. Il a rechargé le Milan. Cardoc, tu dois te planquer parce que là il commence à se rapprocher de vers nous. Tire deux coups en l'air pour recharger, vous inquiétez pas. Voilà. Bonne vue d'ici, je suppose. Ça va, là je me coupe de l'autre côté pendant ce temps là. Ouais, pas de soucis. J'arrive à voir à peu près. Oh, putain, c'est un peu. Oh, j'ai vu une tête, mais. Non, c'est un allié ou c'est un ennemi? C'est vraiment quand même. Mais non, c'est un allié, c'est qui me semble essayer. En fait, la liste à cette hauteur, c'est parfait. Elle est parfaite, bah voilà, c'est très bien. Je peux me mettre à couvert, c'est génial. Bah voilà. Laisse la comme ça plutôt, même si tu le sais. Les tranchettes, ouais, les tranchettes sont buggées donc même la déconstruire celle-là un petit peu. Bah tu peux le faire toi-même. Ouais. Là je te fais celle quand même qui protège sur le côté, c'est quand même peut-être un peu. Oui mais laisse la à mi-chemin quoi. Bah ouais. T'as à ton côté là hein. Ouais on a eu je dirais peut-être 15 de personnels qui sont été nous attaquer par notre droite directe, donc à peu près à 150 mètres, on les a traités. Ok merci. Ouais, bon, j'ai juste pas l'impression qu'elle grossit. J'ai même l'impression qu'elle reste plus par bout. Bah oui, c'est un peu. Bah, au pire, laisse tomber, faisant une normale, hein, au moins devant, en train de protection. Véhicule sur la route. Ah oui, c'est un blindé ça. BRDM sur la route, Black Art. T'as vu. Ils sont deux d'ailleurs.
Et tu recharges. C'était un des... PT-76. Bonjour. Ah, PT-76, d'accord. Bonjour, mon lieutenant. Non, je gérais l'intendance. Je suis attaché à l'équipe de commandement. Ouais, c'est bien, ça. Mon lieutenant, bah écoutez, vous pouvez prendre le temps de cette unité. On vient de détruire un PT-76 de nos frères fourvoyés. Je vois. Bah, ça a l'air de bien se passer. Oui, ça se passe plutôt bien. Bah, vous savez, j'étais dans la Légion étrangère avant, donc j'ai beaucoup appris auprès des Français. Bah, pourquoi vous êtes pas officier alors? Pourquoi je suis pas officier? Oui. Parce que j'aime pas ça. Moi, j'aime bien être près de mes hommes, commander un truc, vous voyez ce que je veux dire. Ah, oui. Oh, bah. Ok. Et sinon, on peut aller là-bas, c'était les hommes qui étaient rattachés au feu de lieutenant qui nous a quittés. Ah bah, je vais aller voir, merci. Par contre, passez pas trop près du canal parce que c'est particulièrement dégueulasse, c'est toute sa cervelle qui a été attaquée. Ah. Je vais fermer les yeux alors. Ah, et lui, c'est votre assistant. Bonjour, mon lieutenant. Hey, bonjour. Vous êtes radio? Oui. Ah. Moi je suis là pour que vous demandiez tout ce que vous avez besoin de demander. Vous avez besoin de demander quelque chose? Non, pour l'instant non. D'accord. Oh, mon lieutenant, je suis l'infirmier de votre équipe. T'es un très bon élément, mon lieutenant. Ah bah. Je vous souhaite la bienvenue. Oui, merci. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Ouais, et j'aurais surtout préféré continuer à faire mes papiers, mais apparemment. Ils ont besoin de moi ici. Ne vous inquiétez pas, nous on prend soin les uns des autres sur la ligne de front. Par exemple, le soldat infirmier Caradoc que vous voyez, c'est celui qui a renvoyé par petit sachet à la cervelle de votre prédécesseur à la famille. Ça avait un sens, vous voyez. Même après la mort, on prend soin les uns des autres. On se tire dessus. Lieutenant ? Oui. Je veux pas être pessimiste, mais il nous reste un Milan. Il nous reste un missile Milan uniquement, et on a détruit. La dernière merde qu'on a détruite était un PT-76, donc c'est des véhicules qui sont en affectation uniquement dans les tuyaux blindés. Ouais, bah c'était. Donc, c'est ce qu'on avait prévu de toute façon. Il risque d'y avoir De toute façon, prochain Milan, après qu'on le tire, à mon avis, je préparerai la destruction du véhicule. Pour y aller au travail jusqu'au bout. Wow! Il pleut derrière nous! Il a tiré un missile. Non, tu l'as loupé. Tu l'as loupé. T'aurais dû attendre, t'as tiré trop tôt, t'as tiré beaucoup trop tôt, tant pis. De toute façon, on a encore le Panzerfaust, on va encore tenir un petit moment. De toute façon, je vais reculer, je recule. Ok, vas-y. Ah, c'est bon. J'ai préparé la destruction de l'engin. L'MP. C'est déjà ici? Ouais, il y en a encore quelques traînards dans un RPG là. Ou alors ils reviennent d'autres, une deuxième vague peut-être. Mais on a eu pas mal de monde, hein. Ils nous ont bien contourné là déjà. Ouais, de toute façon on va pas tarder à bouger, ça va plus être tenable au bout d'un moment. Ça marche. Juste pour savoir, parce que j'ai vu beaucoup de chargeurs, la fonction store MG3 T62, c'est pour me rajouter des munitions si elles sont en inventaire, c'est ça? Je n'en ai aucune idée. J'ai cette commande là, je t'avoue que je sais pas trop quoi ça peut servir, et il me reste que deux chargeurs de MG3. Bah, BTR sur la route, vous montrez pas. On se montre pas, mais il nous voit déjà. Oui, bah, toi, oui, je me doute bien, oui. Il reste caché. Bah, je me casse en fait. Peut-être.
J'ai le tube de presse s'il y a besoin, mais... Regarde qu'on a un normalement. Oh, moi je fais ce qu'on me dit, donc tu te calmes. On sait. J'ai envie de rester caché, je reste caché. Mais je te demande si c'est Ali ou... Je sais pas. Non. Balle. À toi, oui. Karado Karaté. Ah bah non, c'est pas grave. Le deuxième a pas raté. On arrive pas à toucher un explosif, bordel. Oh. Oui, ça explose. Oui, non, désolé, j'ai pas entendu ta question. C'est une blague, mais je peux même pas prendre la charge, quoi, sans déconner. Balle ? Ouais. T'as un gros sac toi sur le dos ou pas ? Ouais. Tu sais prendre une charge qu'il y a dans le truc ? Attends, c'est du coup. Faudra quelqu'un à l'AMG ou au bout tu la prends ? Ouais. Tu sais prendre une charge explosive ? Que tout le monde va bien ici ? Ouais, c'est bon. Une charge, c'est les quoi ? C'est les PETN, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, je peux en prendre une. Ok. Ce sera pour faire quoi ? Faire kaboom, ça quand on partira. Il est HS ? Oui, il n'y a plus de munitions de 1000 ans, donc moi je le garde pas. Okay. Mais c'est bon, trop tard. Du coup, si tu peux déjà la placer éventuellement en dessous, et voir un peu quel moyen de mise à feu il y a à ta disposition. Ça, ouais, c'est comme les vanillages. C'est bon. Allez, c'est bon. Je me souviens encore de comment ça fonctionne. Ah c'est ça, je déclenche 40 secondes. Tu déclenches la molette. Ah du coup mon lieutenant, si jamais il y a des fumigènes qui sont claqués, mettez vos masques. Ça fait... On dirait un savon de Marseille ou de la pâte à modeler, je sais pas trop. Ah mon lieutenant, truc gros. Ouais c'est bien sûr. J'avoue. Parce que j'ai tiré les fumigènes de notre véhicule et j'ai couru à travers et je me suis brûlé les poumons. Retournez-vous, ça pique. Dans ma toilette. Par contre, là, vu qu'on a plus de minant, on va falloir se préparer éventuellement un repli incessamment sous peu. On a encore des roquettes, mon lieutenant, pour les tenir si jamais ils s'approchent de nous. Ouais, je sais bien, c'est juste que je me prépare la possibilité qu'il y ait un peloton blindé qui nous fonce sur la gueule. Si jamais ça arrive, ce serait bien de le spotter un peu avant. Histoire qu'on puisse embarquer vite fait et se tirer. Quitte à laisser une paire de mines sur la route. Ouais, c'est ce que je pensais le faire aussi. Je vais les retrouver, de toute façon, je pense qu'on va pas tarder à emballer. J'en prends quelques-unes sur moi. J'écoute. Mon lieutenant. J'écoute. Les renforts vont bientôt venir nous relever. Ok, bah tant mieux. Ah bah vous êtes super calme si vous voulez. Ouais ça va. Bah alors. Là, en fait on va pas se faire. Il y a des renforts qui vont bientôt arriver pour nous relever donc on va pouvoir rester ici en final. Ok. On a encore des attaques sur nos flancs. Ouais j'entends ça. Tu me dis si t'as besoin d'un renfort, je peux te dispatcher 2-3 gars. Non, t'inquiète, c'est bon. Tu sais, j'ai la MG, tout ça, on est bien retranché. Ouais, bah, j'imagine. Je propose, c'est tout. J'ai la chance d'avoir des troupes d'élite, mon lieutenant. Je sais pas ce que vous avez, vous, mais moi ça va. J'ai pas trop un plein non plus. C'est Cardoc.
t'exposes pas trop, hein, tu fais bien gaffe, hein, t'es un infirmier, je te rappelle. Même si tu n'es pas un médecin, fais attention. Pour l'instant, ici dans cette cuvette, ça va, on s'est pas pris de balles pour le. Pour le... Ça siffle en tout cas là. Oui. Ça va ? Oui, j'ai entendu des tirs. Ça siffle à nos oreilles. Ouais, ouais, ça, on. Ça a bien tapé pas loin de nous là. Oh, je le vois. Alors, verdict. J'ai juste enculé, mais ah, j'ai pas. Maintenant, oui. Ok, ils sont contents. Wow, mais y'a des copains. Ça va les balles perdues là ? J'avoue. Je vais que prendre des trucs. Elle est passée de par là. Dios, ça va devant ? Tu vois tout quoi. tu trouvais le point de vue là-haut ? Dios ? Ouais, comparé à un beau que tu vois rien. Dios, ça va devant ? Ouais, ouais. Ok. Il y a encore ? Je me le dis si ça pue la merde. Ah, t'as le torse, il se prend une balle dans le bol. Il se prend une balle dans le bolet. Il se prend un ricochet sur les gueules. Ouais, Nixon, oui. Après, dans Il faut sauver le soldat Ryan, tu te rappelles à un moment sur les plages, il y a le médecin et tout qui est là, et il y a un mec qui prend une balle à la tranche du casque, tu sais. Ah oui, et genre le mec il fait oh! Ah, et l'autre il le prend dans ses mains, et l'autre il lui fait ah, t'as vraiment une chance de cocu, et puis ouais, ça c'est vraiment une vie. Ça, c'est vraiment... Enfin, bon, c'est du cinéma parce que je peux te dire que les casques. Les casques à l'époque, à moins d'être à 1 km et que ta balle est déviée ou ricoche, ça touche le casque, ça passe à travers. Les balles de 7,92 sur le car, sans déconner. J'ai lu un truc que Nixon, toute la guerre, Je vois. Et il le dit à la fin de la série. En même temps, ouais, normal, trop occupé à boire du whisky. Ouais, le mec, à chaque fois, c'est très bien. Bah écoutez, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Oui, quoi. Et... Ah, mais. Non, mais. Ah, bah, je suis désolé, lui aussi. Hein. Tu peux regarder, il est planqué tout le temps. Bah, voici mon il est planqué tout le temps. Il faut me recoudre. Bah, oui, bah, la planque, quoi. L'officier de renseignement à l'époque, c'est surtout ramasser des messages radio et des papiers. Ah non, non, mais c'est... je suis désolé, mais si vous connaissez pas hein, la... C'est la médecine moderne, ça passe par le cul. Quand même. Ce genre de proposition le mec, il se fait livrer du bonbon, etc. exprès parce qu'il se fait chier dans ce genre. Merci bien en tout cas. Bon, on va se faire relever normalement, vu qu'il y a des. Ouais, mais regarde qui c'est qui nous relève. Il va envoyer des enfants. En tout cas, ils sont. Ils sont beaucoup, mais c'est arrête les enfants. Il bouge un peu beaucoup. Pour ça, des enfants. Je sais pas, il parle des enfants à gauche. Bonjour mon lieutenant. Oh. Un peu de respect parce que j'ai entendu qu'il y avait des accidents de mine. On nous a envoyé pour vous relever et prendre la place sur ces positions. Ouais, c'est bien reçu. Ouais, bien sûr. C'est plutôt chaud dans le coin ? Oui, c'est très chaud. D'accord. Véhicule lourd qui arrive par la route. Bah écoutez, faut accomplir cette mission hein. Pas ce Vous ferez attention au flanc gauche, au flanc droit aussi, à la contournement d'infanterie. D'accord. Bah vous pouvez retourner au poste de commandement. On prend votre place. Très bien, et bah amusez-vous bien. Bon courage. Vous avez encore des minants dans le véhicule ? Non. Vous pouvez pas nous le laisser par hasard ? Si vous voulez, mais vous aurez plus grand chose à en tirer, il est pas en très bon état de base, mais bon. Je peux vous laisser. Plus grand chose, ouais, y'a peut-être des munitions dedans là ? Non, je crois qu'il y a plus rien. Y'a vraiment pas grand chose. Y'a pas grand chose dedans, y'a quelques chargeurs, mais. D'accord, oh, on fera avec. Allez, meilleur but de combat de la Tu peux enlever la charge ou pas ? Bah, je crois pas que je puisse justement. Ok, bah faudra pas la déclencher. Ah si, attends, désamorcer, j'ai rien dit. Ah. Je l'enlève parce que... Je t'ai pas assez approché. C'est bon, j'ai récupéré mon savon. Éponge piégée, là, bon. Bon, du coup, là, on va repartir au QG du bataillon. Le Panzer Grenadier Bataillon... Dragon Svensich. C'est ça. Eh ben au fait, est-ce que j'ai un sac pour... Ok. Bien reçu, mon lieutenant
Je vais te. Bon, je dois vous appeler mon lieutenant ou chez les grades papier vous avez des grades particuliers? Non, c'est bon, moi, sur ça, il y a. Du coup, je te laisserai reverrer la marche et tu guideras mes gars parce que moi, il faut que je récupère la voiture avec laquelle je suis arrivé pour la ramener au commandement. Ok, ça marche, mon lieutenant, c'est bien pris. Tu veux cette rune? On va partir. Bal, tu vas reconduire du coup et tu vas suivre R. Je suis R, ok. Ouais. Moi je vais vous suivre en bagnole, je ramène la bagnole sur l'arrière. D'accord. Bah, Kara, tu peux venir avec moi vu que t'es radio. Ouais. Ah oui, c'est horrible, j'ai vu s'envoler. Hein. C'est un peu pour que tu sois pas trop. Essayer de tenir la forêt. Ouais, ça s'est bien passé. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Hein. Par contre, faut quand même pas exagérer non plus. Hein. Je crois qu'il y a une bonne musique à notre radio. Il faut mettre de la discipline dans vos troupes. Oui, j'y penserai. C'est trop facile la guerre. Il y a une division qui a fini de. Une division de conscrits, de soldats qui ont été à. Des conscrits qui ont été. Attendez, le commandant. S'organiser. Hera, baisse le son, j'entends rien. Hera. Hera. Je l'ai baissé le son, bordel. Bah, on entend crever. Il n'y a pas de mine sur lesquelles exploser ici. Oui, c'est une bonne nouvelle. Le commandement nous a averti que. Ils avaient fini de monter une division. Enfin, d'organiser une division d'appelés qui devrait arriver courant la journée. Donc ça va quand même pas mal nous décharger. Donc bon, pour le moment, on nous a demandé de vous remettre à disposition la division. Donc vous pouvez repartir en arrière. Oui, ça va. Vous êtes plus sous mes ordres. D'accord, très bien. Je vais perdre un chemin. Eh bien, c'était un honneur, commandant. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ah, j'espère qu'on se recroisera. C'est un plaisir de travailler avec vous. De même, de même. J'ai essayé de m'allumer ma cigarette, puis je l'ai cramé. Et de la prochaine fois, j'espère qu'on mettra les pieds chez eux. Ça serait bien. C'est des kartoffels fast-food. C'est un ticket de rationnement de steakhaché entre deux tickets de rationnement de pain. C'est ça. Avec une feuille de pomme de terre au milieu. Et si t'as de la chance, t'as le droit d'avoir... Un mélange de café et de cacao, t'as le droit d'avoir un demi centilitre. C'est moi qui viens d'avoir un apocalypse de frise là. Ouais, ouais, pareil. J'ai vu plein de mecs descendre. Camouflage à mes ordres. Ça va, Stabs Gefreiter Tango Kiwi. Y'a quelqu'un qui a oublié son t-shirt vert là. Alors ça va, c'est dit de machine guéver, c'est bien tranquille. Ah bah oui, on découpe des ennemis de la nation. Ouais, oui et non, c'est pas trop des ennemis non plus. Ils sont agressés. Moi j'ai entendu des trucs, comme quoi, ce qui s'était passé à la frontière, c'était nous qui étions en premier. Ouais.
Si tu te mets à croire la nord-nord-ouest. Ouais, la propagande communiste, bravo. Non, 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 mais je parle pas de ça. Mais je veux dire, avec tous ces fascistes, on sait pas. Tu peux ne pas participer à nos réunions d'espace, t'es pas possible. Ah, elle est belle cette voiture. Magnifique Mercedes. C'est bon, vous avez le temps de vous reposer? Ah bah, largement. Je pensais que vous ne viendriez jamais. Vous devriez, vous allez être content que je vienne jamais. Ah bon, pourquoi? Ah bon, pourquoi? Pourquoi mon... Bon, je sais pas, parce qu'il n'y a pas les barrettes. Capitaine. Capitaine, prenez vos cartes. Mon capitaine me ressemblait étrangement à quelqu'un dans la compagnie. Ah bon? Ah oui. Bon, vous savez... Bon, très bien. On vous écoute, mon capitaine. Alors... On a un gros problème. Et on nous demande d'envoyer des hommes, sauf qu'il y a plus grand monde à envoyer en ce moment. Donc c'est vous qu'on va envoyer. J'aime pas quand vous dites ça, capitaine. Comme c'était pas bon. Ils ont... Donc alors... Le sud de la forêt de la Boile était plutôt tranquille ces derniers jours. Mmh. Et on avait des forces qui tenaient ce carrefour-là, ainsi qu'une ligne de défense qui était ici. Non, mais c'est juste à côté du mur, ça. Ouais. Mais sauf qu'au début de l'attaque, ils ne sont pas passés par là parce que la forêt est très dense. Nous, on avait mis peu de forces pour tenir, donc il y avait... Il y avait quelques Panzer Grenadiers qui étaient allés là-bas. Non, mais ça fait sens. Et qui se sont mis en défense là, ici et là. Sauf qu'on a perdu contact avec cette première ligne de défense. La deuxième est actuellement sous feu de l'ennemi. Il paraît que quelques BTR seraient passés sur la route et qui seraient sous l'attaque d'infanterie, principalement qui viendrait, qui les serait en train de les prendre. Quoi, des Grenstruppen? C'est vrai que c'est pas une chiasse, sanglante. Donc. Les Grenstruppen qui attaquent? Bah. C'est. Bon, pour l'instant, c'est les infos qu'on a. C'est les dernières infos que j'ai eues. Donc, on vous demande de venir vous placer sur cet axe-là. Ou cet axe-là. Vu que, de toute façon, il y a plus grand monde à envoyer, il faut vous protéger un des deux axes. Et le but, c'est que vous le teniez. Jusqu'à l'arrivée des renforts qui sont en train de s'organiser actuellement. Ah, ils sont arrivés proche de Groeststenheim et ils sont en train d'être répartis sur la ligne de front. Donc le temps que toute l'organisation se fasse, faut que vous alliez sur zone pour bloquer les ennemis. Le temps que des troupes arrivent pour vraiment prendre position durement. Vous avez des questions? Non. Non, non, je crois que c'est bon. Niveau équipement, c'est bon? Ouais, normalement ça devrait aller. Ça devrait faire l'affaire pour ce qu'on a à faire là. Pas de questions? Non. Kain ne questionne, main capitaine. Dans ce cas-là, messieurs, pliez au plancher parce que là, à ce que j'ai compris, il n'y a pas trop de temps à perdre. Impact au niveau de la radio, 75, je serai votre relais avec le QG. Cette petite forêt avec le petit chemin. C'est très bucolique. Oui, c'est joli, moi j'aime. C'est avec le pas très joli, je trouve. Oui, ça va faire très bien. Magnifique. Pour moi, on a une map payante qui vaut quelque chose. Ah, 10 On arrive avec la carte. Ouais, bien sûr, on arrive bientôt. C'est un style. Ouais. Stratis ouais. Stratis, c'est pas vraiment une map. Ok, on y est. Tout droit là? Non, stop. Top, top. C'est quoi que je vois au bout de la route là? C'est les alliés. T'es sûr, c'est un putain non, de c'est pas. C'est un putain de BTR! RL, un BTR sur la route là où il y avait les potes! Mais c'est moi qui l'ai, mais je conduis d'abord. Un BTR sur la route, enfin. Arrête-toi. Au nord ou à l'est? Là où il y avait les potes, donc à l'est. Je suis sorti hein. Ouais, moi aussi. Putain, il a pas couvert par contre. C'est pas grave, descendez pour l'instant, on s'en remettra correctement après. Ouais, je me dis, c'est bizarre pour des potes, ça ressemble pas à... Il est débarqué, le mec, en tout cas, il est débarqué.
les troupes. Vas-y, tu fais un dégât headshot. Ouais, il est où le Black Art? Je suis là. Il a fait demi-tour, il s'est barré. Parti? Ah non, il revient. Je reprends mon RPG. Il arrive sur la route. Tu cartonnes à vue de toute façon? Ouais. J'ai mon RPG en main. Planquez-vous pour l'instant, essayez de l'approcher. J'ai jamais tiré avec ça à la Wakbar. Il est là, il est juste là, regarde. Restez planqué, arrêtez de bouger. Oui, j'ai un acte. Je fais un contournement sur la gauche, Black Art. Feu. On va essayer d'avoir un angle de tir à peu près propre sur le. Voilà pour éviter ça. Mais putain, mais vous le faites exprès! Où ça? C'est une blague! Vous le faites exprès, mais vous êtes nul! Il est pas à 200 mètres là, rassure-moi! Non, il est pas à 200 mètres! Feu! J'ai plus de munitions! Attends, je vais recharger des roquettes! Ça va? T'es pas trop cher? Non, c'est bon. 4 roquettes pour un BTR, ça va, c'est pas trop abusé? Je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui est tiré? Karadok est balle. Mais bon, c'est le feu sur le BTR, je pense que. Il y a plus l'infanterie qui suit derrière. Feu! Stop! C'est bon, stop! Non, stop! T'as tiré. Bon, ah oui, d'accord, donc vraiment, on gaspille tout. En plus, on a plus de munitions maintenant. Neutraliser. Mais il est foutu là! Mais il est foutu! Vous lui avez collé deux roquettes dans la gueule! On tire trois autres dessus, c'est pas vrai, non, c'est bon, stop, arrêtez tout! Apparemment, j'ai cru qu'il bougeait encore. Mes hommes sont complètement fous, R.A., ils sont complètement malades! D'ailleurs, une balle dans la tête là! Si, il m'en reste encore une! Faut faire ça, mon lieutenant, si vous avez besoin de l'arrêter, n'hésitez pas à vous arrêter de balle dans la tête, ça va calmer les dissidents. Non, on va retourner sur. Est-ce qu'ils passent vraiment boom quand ils sont neutralisés et pas. Non, mais je te rappelle qu'on est sur Global Mobilization, donc, les roquettes elles traversent les dégâts sur le QIZ. Ils sont en retrait à l'arrière de la route. Ah, c'est les copains, non, c'est les copains, okay. Ils ont avancé. Qui nous permettrait d'avoir une vue un peu surélevée sur la partie nord. Ceci dit, la mire est à 200 mètres, mais ça tire à moins de 200 mètres. Ce serait une bonne position défensive pour mon groupe, donc. Bah, de toute façon, on va prendre pour principe que la position des potes est tombée, du coup, je pense que couvrir les deux axes, à moins de reculer un peu, ça va être compliqué dans le cas contraire. Donc, moi je vais mettre le long de la grande route. Bon, du coup, on va se mettre quelque part derrière là-haut dans les arbres, là, pour avoir une bonne vision. Va falloir reculer le véhicule par contre. Faut boucher les deux pour qu'il y en ait un qui guide. Précise que je lag méchamment. Non, personne. Bon bah vous avez qu'à reculer puis je vais guider alors. Ah c'est bon. Il y a mal qui est en train de faire. Je peux y aller. Oh, contact dans la forêt. Contact dans la forêt. Ok, bien sûr. Ouais. Contact côté est, je répète, est dans les bois sur la gauche de la route à une distance d'à peu près 50 mètres. En fait, le souci c'est qu'on va pas pouvoir vraiment couvrir là où on est à cause du relief. Tout le monde a craché ou quoi? Allô? Oui. Vous savez qu'il y avait des ennemis en face, hein? Ah, mais je lag comme c'est pas permis! Je sais pas ce que vous foutez à rester là à glandouiller, les gars, mais au bout d'un moment, prêtez attention à vos alentours. BTR qui arrive au niveau de la route, même direction que l'autre, frère. C'est noté. Mais là j'ai plus mon AT, je sais pas où il est. Je
crois qu'il a crash. Bon, allez, se approcher, on a le temps. Vous avez ce qu'il faut encore pour capter des blindés ou pas, Macar? Bah ouais, on a ce qu'il faut encore. Pour l'instant, on l'attend. Moi, je suis bien emmerdé parce que je suis bien de... Je crois qu'il a fait une crise de ici. Quoi? J'entendais pas ce que tu disais. Je disais, il y a des traçantes vertes qui passent au-dessus de toi. Ah oui, oui. J'ai... Genre prêt. C'est pour t'inviter à prendre soin de toi. Prochain. Il y a l'infanterie qui va essayer de contourner par notre droite, les gars. Oh, attention, ouais, il regarde. Sauf que. Le... Ah, il a fait tomber sauf qu'il y a des sapins qui viennent sur la droite. On roule sur la droite, tant pis. Viens. Putain, mais je lag, mais comme permis. Je suis un peu coincé, moi là. Je peux pas construire une petite tranchée. Bah, ouais. C'est pas grave, bouge pas. Je veux une petite tranchée. Je peux utiliser... Ouais, il tire dessus là. Ouais. J'entends pas ce que tu dis, Karadoc. Il veut utiliser une fumée. Pour que vous puissiez bouger. Ouais. Ah bah si tu veux, ouais. S'il s'approche, en vrai, je peux l'attendre ici, mais bon... Est-ce qu'il va s'approcher assez près, quoi? J'en sais rien du tout. Il est où? Allez, je le vois, là. Il est toujours là-bas. Qu'en est-il, du blindé? Il est en stand-by plus loin dans la forêt, mais il s'approche pas. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup découvert pour aller jusqu'à lui. Ça marche, ça marche. Ouais, c'est bon, il arrive. Par la gauche, ouais. Ouais, il arrive sur la route. Ah ouais, je le vois, je le vois. Il s'est arrêté. Sauf que je crois qu'il m'attend, qu'il nous attend. Il vers nous. Il nous fonce dessus. Ah, il est là. Joli. C'est bon, ça fera l'affaire. Je suis à sec par contre. Ouais, c'est noté. C'est vous qui étiez pas loin. À cette distance, ça va le poser en faute. La portée est bonne. Ah, attends! Est-ce que par hasard. Ouais, les gants, plus réfléchis. Ah non, il était vide aussi. Roté! Tant pis. Après, il reste des charges, hein, sinon j'ai de la pâte à modeler. Hein. Ah, c'est vous pas faux. Blessé? Oribout est blessé? Non, ça va. Mon lieutenant blessé? Non, ça va, c'est bon. Bon, du coup, profitez-en que c'est calme pour vous repositionner, pour bien couvrir l'avant et que quelques-uns couvrent le flanc droit aussi. La position n'est pas idéale, mais bon, on n'a pas mieux vu que l'autre groupe est de l'autre côté de la route. Là, j'ai juste 30 secondes, faut que je cherche un truc pour Nad. De trancher. Et Trune. Attention en face. Ouais, sympa. Je recharge. Et à droite aussi. Planquez-vous bien. Il se rapproche.
position de merde. Ouais, je me doute. Vite ton cache mémoire et Truna. T'as entendu Truna? De quoi pardon? Non, vite ton cache mémoire. Ouais, comment je fais ça moi? Faut toujours tout réexpliquer, les gens ils retiennent rien. T'appuies sur la touche Shift, ok? Shift, tu restes appuyé sur cette touche, tu fais le. T'appuies ensuite sur le moins du pavé numérique en même temps. Ok. Tu lâches et tu tapes flush FLUSH. Tu l'as vu ça ou pas? Non, négatif. J'ai Preda qui a été posé une mine à côté de l'épave du BTR. Sur la route, une mine anti-char. Donc si jamais il y a un véhicule qui se repointe. Normalement il va péter dessus. Moi je vais en mettre une aussi oui. Sur la route qui vient en dans la mitrailleuse avant, après faudra, on pourra éventuellement retourner le véhicule. Non mais on va... Parce que en fait, ah, ça revient. On va pas rester là hein. C'est vraiment une position de merde. On va se reculer sur la colline qui est derrière nous de l'autre côté de la route. Vous avez quoi en face de vous? Voilà, la force qui contrôle par les bois, mais on va bouger de position, on est vraiment trop explosé. Oh merde, en face, je recharge. En face, juste en face de nous. Arrête. Oh merde, ah ouais, parce que bah là, vous avez des mecs qui sont à 15 mètres de vous. Je sais, c'est pour ça que je te dis qu'on va bouger. On s'en va? Oui, on s'en va. Mais ça y est, y'a autre chose à faire que de creuser des tranchées, les enfants, hein. Je me casse. Vous passez 50 ans à creuser vos tranchées, y'a personne qui tire là. Allez, on recule. Je crois qu'il est trune, il est encore en train de bugger. Puis on recule. Je vous rejoins avec vous, vous me guidez pour le véhicule. T'as des contournements. Je suis d'aller sur la colline juste, juste derrière. Ok. Tu fais. Tu tournes vers là et tu braques à gauche. Je braque à gauche, je braque à gauche direct. Ouais. Normalement à gauche, on se garde. Vas-y, tu fais tour. Vas-y, continue droit. Sors le phare ou quoi? Non, non, tu pars à droite. Okay. Attention les potes, doucement. Vas-y, avance. Hop, hop, hop. Tu m'arrêtes là? Ouais. C'est un petit peu, il y a un petit feu, ça va. Ouais, bah ouais. Essaye de m'orienter par contre, non? Parce que là je peux pas. Ouais, non, c'est rien, c'est bon, laisse comme ça. Ok. Vous avez laissé des mecs sur le terrain ou encore? Non, non. Ah bah, je vois un de tes mecs canés sur la tranchée. Ouais, bah, c'est rien, il a crash. Ah! Je veux quand même qu'il y ait deux gars qui surveillent la route là par là-bas. Vous pouvez vous déployer un peu plus tôt aussi, on a de quoi se mettre en appui. Et sinon on attend là, tout simplement. Véhicule sur la route. Laissez-le approcher, il va péter sur la mine. Planquez-vous. Y'a Karadoc de descendre de son perchoir là, il va se prendre une tête de la part du BTR. Et voilà. Une mine. Tra la vache. Ouais bah ouais.
c'est bon, vous pouvez vous réétaler un peu sur la longueur. Ça va ici ? Ouais, ça va. On va aller remettre une mine derrière les épaves quand elle se sera éteinte. Ok, ça marche. Mais faudra nous couvrir. Ouais, ouais, bien sûr. Qui ? Quoi, les Américains ? Non, les Américains, ils ont fait une affaire qui devait être réglée. Kios ? Oui. Tu prends carabineau avec toi. Vous mettez dans le prolongement de la route, il va falloir couvrir le mineur qui va aller placer une mine anti-char derrière les BTR qui ont explosé. Ok, ok, carabineau en voilà. Avant. Vous placez bien et puis vous couvrez. Ah bah non, je sais pas. Derrière les BTR, vous savez. Non, non, mais oui, restez là. Restez là, restez là, restez là. Mais c'est pas grave. Ils vont s'éteindre. Pour l'instant, vous vous placez là et puis vous prenez les couverts et vous attendez. Ah bah. Ouais, je pense qu'il y en a un qui a dû bien vous échapper, cher médecin. Ça me surprend, vous êtes censé être un lettré pourtant. Hein ? Va dans les comptes rendus de mission. La première mission que j'ai fait, il y a un compte rendu qui a été fait. À la fin, tu verras, c'est expliqué, notamment. J'y vais, Blackheart. C'est bon, tu peux y aller. Vas-y, prêt là. Je suis avec toi. Comme ça, si tu fais de la merde, je me rapproche de toi. C'est quand même pas d'honneur. Couvrez-le bien. Hein. C'est le moment que je suis en train de recharger. Mais après, t'as une commande store dans le truc store MG3MO. Je sais pas si c'est en récupéré dans l'inventaire du véhicule parce qu'il y a des boîtes pour la MG3. Regarde à gauche de la route, carabine. Hein. Accessoirement, j'ai mis une charge PETN sur le BTR au milieu pour qu'il explose. Ok, c'est reçu. Et ça va péter dans plus ou moins 20 secondes. 25. C'est bon, vous pouvez reprendre une position normale. Ah bah, désolé. Content d'avoir servi avec toi, du fighter. Y'a un BTR qui va faire baboum, c'est normal. La forêt en face. Comment il a fait pour s'en prendre une ? Putain, mais vous soignez trop à découvert, les enfants, vous avez un putain de véhicule, mettez-vous derrière. Ah, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Et par contre, vous soignez plus sur la ligne de front, hein, vous vous planquez derrière le véhicule. Bande d'inconscient. Là, on était derrière le talus, mais je sais pas. Bah non, si tu t'es relevé, t'es plus derrière le talus, Cardoc. À la base, je n'étais pas debout. À la base.
pardon. T'as dit quoi là? Caradoc, tu me diras quand t'es libre que je vienne aussi me faire suturer. Je suis libre. Ok. Puis derrière le véhicule. Alors, évite derrière le véhicule parce que je me suis, dans dit, le je véhicule. Me suis pris une rafale qui venait de l'autre côté donc. Ouais, effectivement, il y a des mecs. J'ai fait le tour. C'est pour ça que je reste là. T'as raison. Qu'est-ce qu'il fout, tu couves pas là-bas? Ah ouais, oh, t'es tout bleu. Quasiment. Il y a une balle qui m'a traversé les deux bras quand j'étais de côté. Regarde, t'as le pantalon blanc, t'as le haut bleu, et t'as un schtroumpf. Hey, y'a un mec qui a pas d'armes, il revient de moi, attends. C'est un transfuge. Il est quoi, il est à poil? Ouais, ouais. Ouais, bah c'est un bug. J'en ai eu aussi. C'est bon, placard. Merci. Pour la LS. Tant qu'il crie pas à l'aide. Ouais, plutôt. Tant qu'il crie pas à l'aide, c'est que ça va. Allez, ça veut dire qu'ils sont tous morts. Par contre, ils ont bien pris cher quand même. Ouais. Ils font des signes, ils ont besoin d'aide, je pense, hein, parce que je vois faire des signes, moi. S'il fait des signes, effectivement, peut-être qu'ils sont pas très bien. Non, on reste là. BTR, BTR. Par où? Sur la route. Il a sauté. BRDM, BRDM. Il s'en est battu les couilles. Ah oui, il est là le BRDM. D'accord, bah, je sais pas comment il a fait pour éviter l'aide. Mais il le fait exprès, c'est pas possible. Il est nul cet infirmier. Il est mort. Ils sont pas toujours morts. Mais non. T'as pas suffi, 3 balles. Vous voyez bien. Ouais. Appelle le médecin. Merci. L'autre médecin. Il faut un médecin très vite. Et là, on a besoin de notre médecin pour mon médecin. Vas-y. Un médecin nul, il se prend des balles. Et derrière le blindé là. Il est inconscient, son pouls est lent, mais j'ai sa blessure. C'est bon, il en a plus. Ah si. Oh, il revient encore les salauds. Il l'a contourné donc c'est un peu des salons. Va chercher vous. Ouais. Je vais aller remettre une mine sur la route de la carte, mais je vais le mettre en plein milieu du carrefour. Au cas où il y aura encore un véhicule qui éviterait la mine qu'on a foutue au fond. Ouais, je pense qu'il a roulé dessus, hein, mais je sais pas pourquoi ça peut exploser. Après, s'il est passé entre les roues, si je veux dire, c'est pas censé péter. Je pense que c'est des mines de contact et que c'est pas des mines magnétiques. Après là, tu vas la mettre derrière le BRDM, tu sais, au cas où il y aura un véhicule qui contournait par la gauche, mais pas trop non plus. BRDM, Loss.
Ouais, ouais, je te fais confiance. Au niveau des cadavres ? Non, plutôt entre les cadavres et la souche. Ouais, je suis derrière, un peu derrière. J'ai un copain qui va poser une mine, donc surveille. Ouais, c'est noté. T'en es où niveau munitions roquettes ? Ouais, il m'en reste quelques-unes, il m'en reste 4 au total pour l'instant. Ok. Je sais pas si j'en ai encore d'autres dedans. Pour l'instant, on peut rester encore là, mais si jamais on commence à tomber à quoi. Ah, y'a un mec en haut, dans les bois. En face. Je crois que Preda est mort. Ah oh, putain, sérieux, si c'est le cas. Les mecs surveillent pas, ça va faire rire. Preda, ça va ? Preda ? Allez, capoute. Putain. Ah, ça m'énerve. Ah, il est vivant. C'est solide, ouais. T'inquiète pas, Preda, je te laisserai pas là. Putain, mais qu'est-ce que t'as à mettre ton képi aussi là ? Tu peux mettre une casquette, espèce de trou de balle ? Enfin, y'a un casque. Allez, venez, on peut pas leur faire confiance. Salaud. Ah, je m'en souviendrai. Non, tu t'en souviendras. Ça se paiera, ça. Ah bah, il s'est allé. Oh bah, c'est pas suffisant. Vauban, va, va sous le... T'es là, t'as fini ? Ah, c'est bon. Y'a un TG qui a besoin de tes soins. Y'a un BTR sur la route encore. Ouais, mais, non, mais j'ai galéré à le réanimer. Il est pris à la chaîne. Bah oui, en fait. Y'a un BTR qui arrive avec plein de monde dessus. Et des RPG sur les cadavres si on a vraiment plus roquettes. Hein. On a encore s'il faut en roquettes. Il en est où le BTR Blackheart ? Je vois pas. Il est pile par dans la zone, regarde derrière le. Ah, mais il est loin quoi. En venant, il... Ah, il descend d'un mec derrière l'arbre qui est sur la route. Et les mecs viennent par sur la gauche vers toi. Le BTR est toujours sur la route par contre. Ok, le BTR passe à droite de l'arbre. Il va arriver derrière les deux épaves. Oh merde. Laisse-le approcher, il va peut-être péter. Oh le bug de merde. Il y a des mecs à gauche. C'est quoi ça ? Mais putain, mais sérieux. Ah il est mort. C'est trop une cache-toi. Et restez pas là, y'a BTR qui arrive! Putain, mais les gars, quoi! Ah, c'est bon. Faites gaffe, y'a des mecs sur la route encore. Ça fait chier. Vous lui tirez pas dessus ? Oh merde, quelqu'un s'est pris une cartouche, le Karadok, je crois qu'il est dans la merde. Ils peuvent tirer tes gars, ouais, Blackheart, ils font quoi ? Je ne sais pas. Le blindé est pété ? Oui, le blindé est pété, oui. Je sais pas, je me suis envoyé dans le ciel. Il est fait, ouais. Ok, t'as Bobo au torse, mais ça devrait aller vite. Il était pas avec nous. Ah, il était pas avec nous ? Oui, le blindé, le blindé. Tout ce qui a tranché, il s'est pris une tête injuste. Enfin, il a été mis à découvert injustement. Par contre, les gars, moi je veux bien, mais là, vous êtes tous paqués au niveau du blindé. Moi j'ai tout le flanc gauche, il n'y a personne à part moi. Donc au bout d'un moment, ça serait bien de faire une bonne ligne de défense, s'il vous plaît. Quel flanc gauche ? Le flanc là-bas, là, il n'y a personne à part moi qui couvre l'entièreté de la crête jusqu'à là-haut. Mais ils couvrent pas les autres ? Bah, les autres ils ont leur propre périmètre à gérer, hein. Merci. Ok, moi je vais là-bas, j'en sais rien. Non, mais je veux dire, là vous êtes 4 au même endroit donc faut s'étaler, c'est tout. Ok, bah j'y vais. Non, mais pas toi. Ah, ok, j'arrête. Arrête de te prendre des balles de la Karadok. Ouais, bah dans ce cas, traitez les mecs, bordel. Là il y en avait un, il était tout seul au milieu depuis 5 minutes, il tirait, il n'y en a pas un seul qui le shoot. Bah, je sais, c'est moi qui ai dû aller chercher. Je suis au courant, Karadok. Tout le monde qui dort. Et par où ils sont, je me fais engueuler en plus.
25 dans les sapins, dans les arbres coupés. Aimé. Etrune. Oui. Arrête tes putains de tranchées. J'en ai marre maintenant, ça suffit. Oh. Les mecs ils passent leur partie à creuser des tranchées plutôt que de tirer sur des mecs. La carte, on a des trucs qui arrivent par le nord. On a commencé à devenir tendu, j'ai eu pas mal de blessés aussi. Ouais bah écoute, on va repousser cette vague là et on va partir. Au bout d'un moment ça va plus être tenable. Caradoc, Carabina. Tu appelles QG. Tu leur dis qu'on va se replier parce que la position est plus tenable. J'ai un diplodocus qui a appelé Velociraptor. Oui. Et qui m'a dit que les renforts étaient en approche. Les renforts sont en approche, faut savoir alors. Et oui, mais diplodocus appelle Velociraptor, ouais, c'est-à-dire pas nos indicatifs. Mais c'est parce qu'il s'est trompé, c'est rien. Tu l'as eu quand la com? À l'instant, en face là-bas. Ok. Les renforts vont pas tarder à arriver, apparemment ERA, donc si on repousse la vague, à mon avis, on est bon. Ouais, bah. Va falloir faire parce que ça va devenir un souterrain. Ah ouais? Méchant ou pas? 30 pour toi à balle. 30? Je vais pas avoir les battements. Je suis désolé, Blackheart, c'est plus des Allemands, ça fait trop longtemps qu'on est séparés maintenant. Le divorce, il est consommé. Je prends note de, du divorce. Il y a un mec qui est là derrière nous, M113 allié. Non mais je parlais des ennemis. Oui, j'avais compris. C'est bon, hein, c'est plus nos frères maintenant, ça suffit. Les renforts viennent d'arriver. Ils sont partis de la maison depuis trop longtemps. Même s'ils ont été enlevés par un oncle alcoolique, tant pis. Ok, c'est noté. Et ils avaient qu'à s'enfuir. Hein. Oh, wait. Bah, je crois qu'ils ont essayé, mais ils se faisaient tirer dessus. Ah, bah, ils avaient qu'à bien essayer. Ça se tient. T'es dans la dernière à buter là, non? Un kiosque. Hein? J'entends rien. T'es dans les derniers à tuer là? Je sais pas ce que tu dis, je comprends pas. Ok. Ah bah oui, ah bah là les renforts. Tu parles de renforts. Oh putain. Oh là là là. Va falloir appeler des renforts pour les renforts parce qu'ils sont cons comme des tables. Les instructeurs, ça serait bon. Ils ont roulé sur leur chef d'opération. J'en ai remis une par sécurité, mais j'avais pris. Ça ils va? Ça me fait chier là, les... la boule de zwer, merde, là. Ils y arrivent quand les renforts? Bah ils sont là! Ah, ils sont là! Regarde, Vera. Putain, les cotorep. Ça va? Maintenant, casse Muller. Désolé, il y a un petit accident. Ah ouais, je vois ça, ouais. Tu es un petit peu parce que nous on est en train de mourir en fait. On vient vous relever. Ah, bah il était temps. Vous avez autorisation de rentrer d'un barme queue, ça se réunit arrière. Ok, très bien. C'était plutôt tendu, hein. Ah, c'est bon, maintenant la force est là, ça aurait mieux se passer. Ouais, ça aurait mieux se passer, vous avez vu le nombre de véhicules qu'on a détruits. Alors qu'on est équipé avec des espèces de vieilles merdes là. Comment ça? Arrêtez. Ça? Ça ferait pas de mal une mouche, ça. Ça rebondit sur la mouche. Les mecs, ils attrapent la roquette avec les mains, ils nous la relancent. Ça arrivait trois fois. Vous vous rendez pas compte, vous, hein? Parce qu'on a subi. Sinon, c'est bon.
Non, les renforts sont là. On est arrivé dans la. Ah ouais, dans oh, putain. Ah bah super, délivrance. Ouais, en route vers Berlin pour libérer Berlin Ouest. On va la repousser, hein. Là c'est sûr. On verra. Ah ouais, bah on verra bien. On donnera des nouvelles. Bon. Ah, on se verra à Berlin. On s'organise ou on se barre comme ça? Bah écoute, tu fais rentrer tes gars, tu recharges ton matos. Je vais où? Je vais à Barmke. Ouais. Et moi je te suis une fois que t'es parti, histoire de garder quand même une couverture jusqu'à ce que tu t'en ailles. Je vais partir sur la route là-bas puis on se retrouvera. Ouais, ça va. On embarque les enfants, on embarque les caisses. On laisse pas de caisses, pas de petits bois sur le champ de bataille. Les renforts nous ayant relevés, malgré les problèmes liés aux IA du jeu, nous avons pu retourner en arrière afin de nous reposer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo et abonnez-vous, surtout c'est important, et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications afin de ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la campagne Mensour, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.